Bonjour les petits, moyens et les grands. La période n'est pas facile puisqu'on est obligé de rester chez soi pour sauver des vies. Mais ça aussi, c'est bien et ça permet justement de rester chez soi pour sauver des vies. Et puis pour aider à tout ça, et ben moi je vous propose quelques histoires que je vous offre. Alors c'est pas toujours évident parce qu'à cause des droits d'auteur, on n'a pas le droit de prendre des histoires d'autres personnes. Du coup, je vous offre quelques histoires provenant de mes livres. J'ai le droit puisque je suis auteur, voilà, toutes les histoires m'appartiennent. Donc je vais essayer de vous en offrir deux. Une première qui arrive tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez plus d'informations sur plein de choses, comment s'occuper avec les enfants, etc., il y a des super sites, je vous les mets en descriptif. Et puis n'oubliez pas aussi, vous avez Kiddy Science qui explique aussi aux enfants et aux plus grands comment ça marche, pourquoi une chips, il y a un rapport avec l'espace. Et puis aussi, on a un super article de Tania Louis sur le coronavirus. Donc n'hésitez pas à aller le voir. N'allez pas regarder des sites qui racontent n'importe quoi. Allez le voir, vous verrez. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Et puis aussi, il y a des petits dessins pour les plus petits. Et surtout, une chose importante, si vous n'avez pas spécialement besoin de sortir, restez chez vous. À tout de suite pour la vidéo.